Triple H est un lutteur et acteur professionnel américain qui a une valeur nette de 150 millions de dollars. C'est une valeur nette combinée avec sa femme, l'héritière de la WWE Stephanie McMahon. Également connu sous le nom de Hunter Hearst Helmsley, d'où HHH, ou Triple H. Triple H est vice-président exécutif des talents, des événements en direct et de la création à la WWE depuis 2013. Il est le fondateur de NXT, une branche de la WWE. Marc, Stephanie McMahon est la fille du fondateur de la WWE, Vince McMahon. Début de la vie, Triple H est né Paul Michael Lévesque le 27 juillet 1969 à Nashua, New Hampshire. Le tout premier match de lutte qu'il ait jamais vu remonte à 1974 et mettait en vedette le chef Jay Strongbow. Il a joué au baseball et au basketball au lycée Nashua South. À 14 ans, il se lance dans la musculation pour ressembler aux lutteurs professionnels qu'il voit à la télévision. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1987 et a continué à participer à des compétitions de musculation. En 1988, il a remporté le concours Mister Teenage New Hampshire. Il avait 19 ans. Il travaillait comme directeur d'un gymnase à Nashua où il rencontra le champion du monde Ted Arcidide qui travaillait à l'époque pour la WWE. Triple H l'a convaincu de le présenter à Killer Kowalski, un ancien lutteur qui dirigeait à l'époque une école de lutte professionnelle dans le Massachusetts. En 1992, Lévesque déménage à Malden, Massachusetts pour s'inscrire à l'école de Killer Kowalski. Ses camarades de classe comprenaient la future légende du WWF, China. Carrière. Triple H a fait ses débuts professionnels sur le ring en 1992 contre Flying Tony Roy, sous le nom de Terra Rising. Il a battu Tony Roy. En juillet 1992, il bat Mad Dog Richard pour remporter le championnat IWF Heavyweight. En 1994, Lévesque signe un contrat d'un an avec la World Championship Wrestling. Lors de son premier match télévisé, il a joué un méchant nommé Terror Rising. Il a battu Keith Cole. Il a rapidement changé son nom de bague en Terra Rising, qu'il a utilisé pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il se rebaptise, Jean-Paul Lévesque. On lui a demandé de parler avec un accent français dans le cadre du shtick de son personnage. Lévesque a rencontré Vince McMahon pour discuter de sauter dans sa ligue, mais McMahon n'était pas intéressé par Lévesque à ce moment-là. Cependant, peu de temps après que McMahon ait regardé le match de Lévesque à Starcade, il a été convenablement impressionné de lui faire une offre et Lévesque est parti pour la WWE en janvier 1995. Triple H a fait ses débuts à la WWE en tant que Hunter Hearst Helmsley. Il est apparu dans des vignettes enregistrées, parlant de la façon d'utiliser l'étiquette appropriée. Helmsley a fait ses débuts en pay-per-view à la WWF à SummerSlam, où il a battu Bob Holly. En 1996, sa carrière a connu une période difficile, en commençant par une querelle avec Duke, The Dumpster, Droez après une défaite lors du Free For All au Royal Rumble 1996. En 1997, Helmsley participe au tournoi King of the Ring 1997 en battant Mankind en finale. Plus tard cette année-là, Shawn Michaels, Helmsley, China et Rick Rude ont formé D-Generation X, DX. Ce groupe est devenu connu pour repousser les limites. Cette écurie a été une grande partie de « l'ère attitude » dans les années 1990. Au cours de cette période, son nom de bague a été raccourci en simplement Triple H. Triple H a fait la une de plusieurs grands événements à la carte de la WWE, y compris la clôture de l'événement annuel phare de la société, WrestleMania, cette fois, à égalité pour le plus avec Hulk Hogan. En janvier 2000, Triple H s'était surnommé « The Game », ce qui impliquait qu'il était au sommet du monde de la lutte et était surnommé « The Cerebral Assassin ». Lors de l'épisode du 3 janvier de Raw Iswar, Triple H a battu Big Show pour remporter son troisième championnat de la WWF. En mai 2011, il a subi une déchirure au quadriceps qui a failli lui coûter sa carrière. Il n'a pas travaillé pendant 8 mois. Il est revenu sur le ring en 2002. Triple H est revenu à Raw le 7 janvier 2002 au Madison Square Garden. Il a remporté le Royal Rumble et a reçu un match de championnat incontesté de la WWF à WrestleMania X8, où Triple H a battu Chris Jericho pour le championnat incontesté de la WWF. Après avoir détenu le titre pendant un mois, Triple H l'a laissé tomber à Hulk Hogan. En février 2003,
Triple H a formé une écurie connue sous le nom d'Evolution avec Ric Flair, Randy Orton et Batista. Triple H et Flair ont défié Rob Van Dam et Kane pour le championnat du monde par équipe, mais ils ont perdu le match. Le groupe a été poussé à Raw de 2003 à 2004 et l'apogée de leur domination s'est produite après Armageddon, où chaque membre d'Evolution a quitté le pay-per-view avec un titre. Triple H a détenu le championnat du monde des poids lourds pendant la majeure partie de 2003, défendant avec succès contre Booker T à WrestleMania 19 sous un angle aux nuances racistes. Il a perdu le titre après 280 jours en septembre 2003 à Unforgiven contre Goldberg, dans un match avec la stipulation qui avait perdu Goldberg, il devrait prendre sa retraite. Après la WWE Seyursi, Triple H travaille dans les coulisses de la WWE, fondant la branche de développement NXT et gagnant des éloges pour son sens des affaires dans la lutte professionnelle. Dans une interview sur la vie dans les coulisses de la WWE, Triple H a comparé la WWE à Disney. Il a déclaré « Nous sommes Disney. Nous sommes du divertissement, pas seulement unidimensionnel. Pensez simplement, il y a 10 ans, Marvel n'était que les gars de la bande dessinée. Nous sommes et continuerons d'être un fournisseur mondial de contenu en pleine croissance pour le divertissement de toutes sortes. » Vie privée: Triple H a épousé Stephanie McMahon, fille du propriétaire de la WWE Vince McMahon, le 25 octobre 2003. Ils ont 3 filles, Aurora Rose Lévesque, née en 2006, Murphy Claire Lévesque, née en 2008, et Vaughn Evelyn Lévesque, née en 2010. Il était marié à feu la lutteuse China, de 1996 à 2000. En 2004, Lévesque a publié un livre intitulé Making the Game, Triple H Approach to a Better Body. Principalement consacré aux conseils de musculation, le livre comprend également des informations autobiographiques, des mémoires et des opinions. Lévesque est un fan du groupe Motorhead et était de bons amis avec le chanteur Lemmy. Salaire et équité WWE en 2013, il a assumé un rôle dans les coulisses en tant que vice-président exécutif des talents, des événements en direct et de la création. En 2013, Lévesque a gagné un salaire combiné d'un peu plus de 1,5 million de dollars grâce à son travail de front office et en tant que lutteur. Plus récemment, le salaire annuel de Triple H à la WWE était de 2,8 millions de dollars. Il possède également plusieurs millions d'actions de la WWE. Plus importante encore, l'épouse de Triple H, Stephanie, détient environ 2,5 millions d'actions de la WWE qui, à divers moments récents, valaient aussi peu que 40 millions de dollars et jusqu'à 225 millions de dollars. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.